Jésus, amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Amen. Amen. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est bon de prêcher l'évangile de la bonne nouvelle, mais c'est aussi d'amener les gens à s'engager officiellement avec le Seigneur. Tout à l'heure, pendant le culte, on nous a montré l'importance du baptême, ce que le baptême apporte dans la vie de tout croyant. Tout croyant qui n'est pas passé par cette zone de baptême est encore mort dans son péché. Alléluia. Amen. Celui-là ne peut pas hériter. Il n'est pas encore mort. Alléluia, c'est ce que veut dire. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous honorions ce commandement. Amen. Amen. Qui nous dit de baptiser tous ceux qui vont croire. Baptiser comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême que nous voulons faire, c'est le baptême de la sainte doctrine, le baptême de la vérité, le baptême qui donne l'esprit de Jésus. Amen. Amen. Parce que lui ne peut appartenir à Jésus sans avoir son esprit. Alléluia. Amen. Donc les bien-aimés qui ont pris l'engagement de venir, ça montre que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Donc nous allons les inviter, les candidats. Alléluia. Amen. Les candidats pour le ciel. Alléluia. Vous allez recevoir votre passeport. Amen. Amen. Le passeport pour aller au ciel. Alliez-vous. Alliez-vous les uns derrière les autres. Amen. Amen. Alliez-vous. Est-ce qu'on peut chauffer pour. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire.
croire à ce qu'il a fait pour ses âmes. Amen, amen, amen. Amen. Jésus. Amen. Jésus est Alpha, d'accord. Il est Oméga. Jésus est Alpha, il est Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Il est Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Il est Oméga, Jésus est Alpha. Il faut que tu le fasses les vannes. Il est l'oméga, je le loue parce qu'il est alpha. Il est l'oméga, je le loue parce qu'il est alpha. Il est l'oméga, Jésus est alpha. Il est l'oméga, Jésus est alpha. Il est l'oméga, je le loue parce qu'il est alpha. Il est l'oméga, je le loue parce qu'il est alpha. Il est l'oméga, Jésus est alpha. Alléluia. Il est l'oméga, Jésus est alpha. Il est aux eaux de baptême. Lorsque vous les plongez, la première des choses, il faut révoquer le nom de famille qu'ils portent. C'est très très important. Parce que le nom de famille, c'est ici on fait le dernier combat avec les esprits de famille. Et généralement, les noms que nous portons sont les noms des entités démoniaques. Les noms des alliances. Alléluia. Les noms des esprits. Donc si ce nom n'est pas révoqué, ces esprits peuvent venir réclamer en fait sur leur vie, même leur foi, combattre leur foi pour les ramener. Alléluia. Amen. Dans la famille, les ramener encore dans les choses, ça c'est de les écarter dans la voie du Seigneur pour faut que. Faut pour qu'on voit le téléphone. Amen. Donc nous allons révoquer le nom à Dieu sur la vie. Pour qu'on fait feuille, pour qu'on ouvre le téléphone. Chaque cas de ce nom. Toute alliance s'appelle démoniaque qui se cache dans notre brisé. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, dit dans le nom de Jésus. Toute alliance, toute personne de ténèbres qui se cache derrière le nom à toi. Au nom de Jésus. Toi, puissant esprit démoniaque qui porte ce nom sur sa vie. J'ordonne que tu reçois le feu. Tu libères son âme. Tu libères sa destinée. Ta main ne peut plus toucher sa vie parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Maintenant, tu la libères. Toutes les malédictions qui sont
garderai ce nom. Nous révoquons, nous annulons, nous déclarons maintenant la nouvelle, sa nouvelle identité cachée en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu as fait comme ça. D'accord. Alléluia. Amen. Servant de Dieu, Père, donne-lui un nouveau nom. Quel poste nous pour te servir en vérité et en esprit. Fais là, c'est trop petit. Hein. Au nom de Jésus. Viens couvrir, non. Où tu donnes quelqu'un, viens couvrir. Servant de Dieu, Anne-Marie. Nous te baptisons dans le nom de Jésus. Ouvre des cieux, que l'on ne touche pas. Et tu as resté avec Jésus. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon roi. Remplis-la de ton Jésus. Remplis-la de ton feu, de ta puissance. Qu'elle reçoive l'esprit d'adoption. À part d'aujourd'hui, l'esprit de Dieu descend sur toi. Comme il fait des bananes. L'esprit souverain, oui, descend aujourd'hui sur ta vie. Et te conduit comme un enfant de Dieu. Et te conduit dans la sainteté, dans la marche avec le Seigneur Jésus. Père, je te fais remplir de ton feu. Remplir de ton feu maintenant. Qu'elle reçoive le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Reçois le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Sois embrasé. Sois embrasé. Sois embrasé. Sois embrasé. Sois embrasé. Sois embrasé. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, quand tu la mets. Quand tu lui accordes les vertus de Anne-Marie. Elohim, elle porte non seulement les caractères de Anne, mais également de Marie. Je déclare, oh mon Dieu, mon roi, que ce soit rattaché à son âme. Désormais, son esprit, reçoit ce nom, Anne-Marie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, je la révère du casque du chalut. Je lui fais porter, la cura de justice. Je mets à ses reins la ceinture, de la vérité. Qu'elle reçoit à ses pieds les soucis que donne le zèle de l'évangile de Père. Désormais qu'elle annonce l'évangile avec le zèle, avec amour, avec ce feu, Seigneur. Papa, je te prie, mets à ses pieds ce feu qui l'amène vers les païens pour leur proclamer la repentance. Dans le nom de Jésus-Christ, tu saisis le bouclier de la foi. Tu saisis ton bouclier avec la main gauche. Saisis ton bouclier. Le bouclier avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du diable. Lorsque le diable vient pour tester ta foi, tu vas rester avec ce bouclier. Au nom puissant de Jésus, tu saisis l'épée. L'épée de l'esprit qui la foi. Saisis l'épée avec ta main droite. Tu saisis l'épée maintenant. L'épée du combat. L'épée de l'esprit. Oui. Saisis cette épée. Saisis cette épée. Saisis cette épée. Au nom puissant de Jésus, tu vas au combat. Le combat de la vérité. Le combat de l'évangile. Va et combattre au nom puissant de Jésus. Nous avons. Priez. Amen. Jésus. C'est pas encore fini. Amen. Amen. C'est vrai qu'il pleut. C'est très bon de recevoir les baptêmes sous l'onction de la pluie. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime tellement. À chaque fois, il amène toujours la pluie. Gloire à Jésus. Amen. Mon cher, dis-moi, quand on te plongeait dans l'eau, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti mon corps de mal léger. Alléluia! Amen! Et quoi encore? Et mon cœur était frais. Oh. Qui peut recevoir ce cœur frais? La fraîcheur dans le cœur, elle l'a reçu. Ça, c'est le signe du Saint-Esprit. Alléluia! Amen! Que le Seigneur te garde à la foi jusqu'à son retour. Amen. Alléluia. Voilà, désormais son nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Anne-Marie. Amen. La servante de Dieu, Anne-Marie. Amen. Gloire à Jésus. Allez, suivant. Anne-Marie, Suivant. Hé, hey, louez. On a mis les gens dans les eaux, dans la joie. Hein. Amen. Tu passes par où? Juste là-bas, là. Après ce que tu veux faire, descendre encore là. Il faut l'amener. Amène-la, s'il te plaît. Hey, chauffez. Oméga. Il est l'Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Alors Jésus, il est l'Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Alléluia. Il est l'Oméga, Jésus, il est l'Oméga, Jésus, il est Alpha. Il est l'Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Il est l'Oméga, je le loue parce qu'il est Alpha. Il est l'Oméga, Jésus, il est Alpha. Jésus est Alpha, il est l'Oméga, Jésus
nom de Dieu, nous saluons le Seigneur, nous bénissons le nom de notre Jésus-Christ. Et nous saluons sa présence en ce lieu. Gloire à Jésus. Amen. La bien-aimée, vous savez, son baptême, c'est un témoignage. Parce que jusqu'après le but, on se pose la question, est-ce qu'il faut se baptiser? Elle est venue me dire, homme de Dieu, dites-moi, si on a été baptisé par une femme pasteur, est-ce que ce baptême peut amener au Seigneur? Pas pasteur qui baptise, il y a une profanation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça c'est Jézabel qui l'a baptisé. Jézabel, jamais. Elle va reprendre son baptême. Et c'est ce qu'elle veut faire ce soir sous cette pluie de bénédiction. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout le temps, il faut qu'on les doit voir. Amen. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse à la fin de ce baptême? Baisse-toi. Toi pas devant, toi pas devant. Oui. Voilà. Oui. Approche comme ça là, passez avec toi. Je veux On va prier pour la servante de Dieu, on va demander que le Seigneur prenne des sens sur l'esprit pour l'aider à marcher en lui. Même dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, Père. Oh, pour toi, des sens sur l'esprit, bien qu'elle va revenir. Oh, je prie que chaque grain de la vie soit présente. Mais je prie aucun des péchés. Oh, qu'elle a commis sa vie, parce qu'elle a eu à faire. Oh, je ne peux pas. Je déclare maintenant que la nouvelle vie, la nouvelle identité de Christ apparaisse avec elle. Oh, dès qu'elle va recevoir sa vie, je te fais de changer. Je te fais de bien autre. À la fin de ce moment, qu'elle marche haut avec la vérité, qu'elle marche en fonction de Dieu, au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel esprit tu as vécu? Quand tu as plongé, tu es revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux partager avec le peuple de Dieu? Quand on m'a plongé, je ne me suis plus sentie. Ici. Elle a dit quand on l'a plongé, elle ne s'est plus sentie ici. Tu te vois alors? C'est quand je suis sortie de Alléluia. Je suis revenue consciente que j'étais ici. Alléluia! Alléluia! Vous savez, c'est ça qu'on appelle la mort. Quand on meurt, tu te sens plus, tu n'es plus conscient. Amen. Amen. Lorsque tu nous vas dire, je suis où? Ça, c'est la puissance de la résurrection. C'est qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Alléluia. Amen. Jésus, 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 Jésus. Amen. Tu as fait le vrai baptême. Le baptême de la sainte doctrine. Maintenant, ton nom est écrit au ciel désormais. Tu as droit à l'héritage céleste. Alléluia. Va en paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Baptême en Jésus. Alléluia. Baptême
en Jésus. Alléluia. Baptême en Jésus. Amen. Alléluia. Baptême en Jésus. Amen. Amen. Baptême en Jésus. Amen. Baptême en Jésus. Amen. Baptême en Jésus. Amen. Alléluia. Baptême en Jésus. Amen. Amen. Les anges sont partout, les anges. Ils sont là. Plein. Le trône est question. Jésus est là. Elle est là. Il dit, ma fille, aujourd'hui tu veux prendre une grande décision. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu veux prendre une grande décision pour ta vie. Il y a un Est-ce que tu veux juste apporter cette décision? Alléluia. Amen. Ce que tu veux faire aujourd'hui, vrai dit que tu es en train de renoncer à Satan et tous ses œuvres. Est-ce que vraiment tu es prêt? Tu es prêt à renier le monde et ses rudiments. Tu veux t'engager maintenant avec Christ. Tu veux prendre le chemin de Jésus. C'est le chemin de la souffrance. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Tu es prêt à être persécuté? Être haï à l'école partout à cause du nom de Jésus? Alléluia! Jésus! 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 Amen! Amen! Elle est vraiment engagée. Alléluia! Donc, nous allons te plonger dans le monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends que Jésus te fasse à la fin de Jésus? Je veux être avec lui profondément. Amen. Amen. Alléluia. Elle demande. Voilà. Mais elle veut être encore plus proche de Jésus. Mais toi, tu veux rester où? Loin de Jésus. Il faut être plus proche. Il faut rester à côté de Jésus, à côté du trône. Amen. Amen. C'est ce qu'elle veut faire aujourd'hui. Alléluia. Alors, dis-toi avec la torche. Amen. Dis-moi, ton nom, le nom que tu penses, c'est quoi? Le nom de famille. C'est Tobin, le nom de famille. Oui. Mon nom, c'est Mbaye Tobin, Glory Soulage. Très bien. Nous allons révoquer sur le nom de famille, sur sa vie. Alléluia. Oui. On va révoquer la chose, on va révoquer le nom tout à l'heure. On va révoquer le nom de famille. C'est très, très important. Vous savez, le nom de famille, c'est des alliés, des entités, des puissances, des puissants anciens qui vous dépassent même, qui partent de génération en génération. Alors, chaque fois, on doit avoir le nom d'un un nom pour une divinité et on donne ça à une communauté, une collectivité. Vous dites, vous, c'est le nom que vous devez porter. Vous, c'est certain nom que vous devez porter. Et voilà que nous portons, nous allons partout à l'école. Quand on nous appelle, c'est toute l'entité de la famille qui répond présent. Amen. Amen. Mais désormais, c'est le Saint qui va répondre présent pour ton cœur. Amen. Nous allons présenter révoquer ce nom qui est sur sa vie. Au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus, dans sa famille, par le ton Dieu, nous allons révoquer le nom de la famille. Ce nom qui appelle les entités de la famille. Nous répondons, nous détruisons leur pouvoir. À part de genoux, nous détruisons leur puissance sur sa vie. Désormais, oh, ça c'est bon, n'est plus sous leur emprise. Il ne peut plus contrôler sa vie parce qu'elle a pris cet engagement de marcher avec toi. Oh, le Dieu d'Israël, je te prie de te lever tel que tu as changé l'histoire de beaucoup de personnes de la parole. Je prie que désormais, que sa vie change, elle aussi son histoire change, qu'elle soit désormais à toi et pas toujours. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis-moi, quel est ton nom? Glory. Glory. C'est bon, Glory. D'accord. Glory, ça veut dire la gloire, non? C'est ça, non? Oui. La gloire de Dieu. Vous voyez? La gloire. Est-ce que chantez-moi ça? La gloire de l'éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'éternel est ici.
tous les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Amen. 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 T'as vu, la gloire de Dieu est ici. Amen. Fais comme ça, d'accord? Tu fermes les yeux, d'accord? Servant de Dieu glorieux, nous te baptisons au nom de Jésus. Tu es moi avec Jésus. Tu es resté avec Jésus. Nazareth. Alléluia. Non, Seigneur Jésus, remplis-la maintenant. Remplis-la de ta puissance. Remplis-la de ta puissance. Remplis-la de ta puissance. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Remplis-la maintenant. Tu reçois le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Descends 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 sur toi. Tout ce qui est du bon sort. Maintenant, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois la promolitude. Tu reçois la promolitude. Avec lequel tu pourras éteindre tous les traits enflammés du diable. Lorsqu'il va t'intimider, tu vas rester avec cette foi, avec ton bouclier. Tu saisis l'épée de l'esprit, l'épée du combat, pour tailler toutes les puissances, toutes les forces qui vont se lever contre ta foi, contre la vie de l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, équipe-la des dons, les dons de révélation. Les dons de révélation, Seigneur. Qu'elle soit revêtue de cette dons, qu'elle soit revêtue de cette puissance, maintenant, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, que désormais, que tu montres les choses les plus cachées, Seigneur. Oh, quand tu les révèles, l'identité de tous ceux qui ont été de haine, après de jour, que le don de parole de connaissance se manifeste dans le nom de Jésus, les dons de guérison, les dons de miracles. Reçois-les maintenant, reçois-les. Tu reçois le manteau de feu, pour marcher avec le feu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis-moi, Glory. Quand on te projette dans l'eau et tu revenais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis ressorti, j'étais léger, je n'étais plus moi-même. En fait, c'est comme si quelque chose a changé. Parce que quand je me suis couché là, je ne sais pas, c'est comme si je n'étais plus là. Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est après que je me suis réveillée que tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Comme si je ne me sentais plus. Alléluia. En tout cas, c'est sans commentaire. Vous avez entendu. Glory, tu vas servir le Seigneur avec cet amour, avec ce zèle. D'accord. Partout tu seras, c'est Jésus. Partout ça, c'est la sainte de ton dépouillement, la sanctification. Amen. Allez, que le Seigneur t'assiste dans toute ta marche. Amen. Tout a changé. C'est ça. Chantez, on va la besoin de ça. Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Alléluia. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Alléluia. Avec Jésus dans sa vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans sa vie, tout a changé. Même le châté, le peur et le temps. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Même là, je pense, le bon, il y a même tout. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Voilà, on t'appelle comment? Wilfried. Wilfried, c'est un nom anglais. Ça veut dire quoi? Will. Bimbe. Will veut dire volonté. Volonté de qui? Volonté de qui? Volonté de qui? De Dieu, mais de qui? Alléluia. Amen. Donc, on doit chercher Wilfried de Dieu. Amen. Amen. Bon, Jésus. Bien-aimé Wilfried, aujourd'hui tu veux prendre un engagement très très sérieux devant tes frères, devant les entités spirituelles, devant le Seigneur Jésus-Christ.
pour dire qu'aujourd'hui tu es en train de renoncer à Satan et tous ses œuvres. Est-ce que tu es prêt? Plus que prêt. Alléluia. Donc j'ai plus besoin de poser les autres questions. Alléluia. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends à la fin de ce baptême? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Je voulais te faire parce que je l'aime à l'excès. Que tu l'aimes à l'excès. De tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma vie. Amen. Que ma vie, sa gloire, ses vases, que tu sais. Que devienne sa bouche, la bouche de l'éternel. Amen. Tu es la bouche de l'éternel. Alléluia. Vous êtes la bouche de l'éternel. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Amen. Toi aussi, tu peux demander à Dieu de faire de toi un vase. Amen. Amen. Rappelle-moi ton nom de famille. Tini. Quoi? La famille Tini. Tina. Tini. 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 On va révoquer Tini. Tina, ça veut dire quoi? Aucune idée. Vous êtes sûr que vous devez savoir. Bon, non, là, vous devez savoir ce que les connotations de mon nom, les patrons de comprendre ce que ça signifie. C'est très important. Amen. On va prier, nous allons révoquer ce nom et on va demander au Seigneur vraiment qu'il fasse de notre bien-aimé lui faire dans un bon vase. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends votre nom. Sur tout esprit, je ne sais pas esprit, parce que au nom de Jésus, je te détruis par la puissance de la croix. Toutes tes yeux dans sa vie sont anéantis. Au nom puissant de Jésus. Après un jeu, toute puissance de malédiction qui se cache derrière le nom de Jésus, par ton appel, je révoque ces malédictions. Je révoque ces malédictions. Je détruis le pouvoir. Après aujourd'hui, maintenant le pouvoir de Jésus se manifeste en lui. Désormais, quand on appelle le nom, c'est le ciel qui va se manifester. C'est la puissance du Seigneur qui va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, à la fin de ce match, je te prie, papa, donne-lui, oh, d'être un vase pour toi. Fais de ta bouche, Seigneur Jésus, sanctifie, aiguise sa langue, avec qui parle de ta part, Seigneur. Papa, tu as dit que celui qui dit telle chose, oh, a fait un bon choix. Je te prie maintenant, Seigneur, de les remplir de ta puissance, qu'il puisse vraiment parler avec vérité, avec amour, et que ton amour déborde en lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez, amen. Bien-aimé Wilfried, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus. Tu es resté avec Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, maintenant donne-lui le sceau. Donne-lui le sceau. Le sceau de la rédemption. Maintenant tu reçois la puissance. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Tu reçois dans le nom de Jésus. Tout ce qui est dans ta vie qui appartient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, l'Esprit de prendre le nom. Prends le contrôle de ta conscience. Prends le contrôle de ton cœur. Prends le contrôle de tout le monde. Papa de Dieu, reçois dans le nom de Jésus. Reçois ta puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te révèle du casque du champ. Je vais porter la cura de Jésus. Si ton trône soit loué, Jésus soit loué. Ainsi, si ton trône soit loué, Jésus soit loué. Alléluia. De la foi, le bouclier anti-méché, le bouclier qui est Christ pour résister au trait enflammé du diable, contre la foi pour t'intimider, tu restes avec cette foi faible au nom de Jésus, tu saisis l'épée de l'esprit, avec ta main, avec autorité, l'épée d'autorité, saisis ton épée, l'épée du combat, l'épée pour combattre, l'épée pour avoir la puissance, pour neutraliser, oh, saisis cette épée, dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus, équipe-le des dons les plus puissants, équipe-le des dons des révélations. Le don des révélations. Qui reçoit ce don dans, dans le Seigneur. Qui reçoit ce don dans le ministère. Qui reçoit ce don pour te servir. Oh, avec amour, pour te servir. Avec crainte, avec tremblement. À part d'aujourd'hui, que son cœur déborde de ton amour. Que ton cœur déborde de ton amour. Maintenant, serve la puissance d'amour dans ce cœur. À part d'aujourd'hui, Seigneur. Qu'il soit un puissant instrument, un puissant vase. Oh, pour communiquer l'amour à la terre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dis-moi, quel témoin tu veux rendre? Grâce à Dieu parce que il m'a libéré de la confusion. Alléluia. La lumière, quand la lumière vient, là, tout ce qui est confusion disparaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme plongé dans l'eau, paix, une joie. Amen. Il a ressenti une paix et une joie. Amen. La Bible dit dans Galates 5, verset 22 que quoi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Quelque part, c'est quoi? La paix, la joie. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus, que le Seigneur t'accompagne dans ta marche. Amen. Amen. C'est bon, c'est fini, hein? C'est fini? Quand tu prends la joie de Jésus. Père éternel, nous vous rendons grâce, papa. En direct.
Papa, nous consacrons tous les âmes que nous avons dans nous les consacrons dans ton sang. Nous prions que tout ce qui va se lever, qui va, oh, nous prions la colère, que la mère soit fusée, soit animée en toi. Seigneur Jésus, que le nom soit écrit dans le ciel, que ne venez jamais, que ces âmes soient rendues encore dans le monde. J'ai la joie de Jésus, oh, papa, la mère, Seigneur Jésus, nous prions que tout ce qui va se lever, nous prions que tout ce qui va se lever, nous prions que tout ce qui va se lever, nous prions que tout ce qui va se Voilà, mission accomplie. Alléluia. Voilà, direction église. Peuple de Dieu, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous allez constater que vous n'avez pas nos images depuis hier, tout ça. C'est lié à la qualité de la connexion que nous avons. Nous ne pouvons pas, on ne peut même pas faire le direct. Donc c'est parce que nous avons quitté le lieu de culte, nos eaux de baptême, qu'on a pu faire le direct. Donc vous aurez tout ce qui s'est passé depuis hier, ce que le Seigneur a fait avec toi ici. Depuis hier aussi, le culte de ce matin, ce que le Seigneur a fait. Vous aurez ça très prochainement. Hein? Tu te mets toujours dans la prière pour nous. Amen. Amen. Donc la mission de Bertois se poursuit et va terminer cette nuit. Et nous allons prendre la direction de Yaoundé à partir de demain. Amen. Donc continuez toujours à intercéder pour les âmes, pour que le Seigneur vraiment touche les âmes qui sont en prison, qui sont retenues dans les religions. On a vu beaucoup de personnes. On a vu la sœur, par exemple, elle avait été malheureusement baptisée par une femme pasteur. Vous voyez, quand c'est comme ça, les gens pensent qu'être sauvés, ils ont cette fausse assurance. Il y a une fausse assurance du salut. Qui sont? Ils sont tellement convaincus. D'autres disent, mais je suis né dans ma région, je mourrai dans ma région. Ça, c'est une fausse assurance, malheureusement. Donc, quand l'évangile, la parole de Dieu, elle a reçu, elle a dit, ah, si c'est ça, il vaut mieux que je me baptise. En même temps. C'est ça. C'est ce que je veux de toi, toi qui me suis en ce moment. Il ne faut pas rester, pas dire, non, bon, voilà, on va baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une femme. Si tu laisses, c'est Jézabel qui t'a baptisé. Amen. Amen. Jézabel, son jugement est terrible. Et tous ceux-là qui écoutent les enseignements de Jézabel, la Bible dit qu'ils seront traités de la même manière que Jézabel a été traité. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Soyez bénis. Nous sommes actuellement à Bertois, quelque part, au bord de Marigot. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus.